Je commence toujours mes vidéos de cette manière. Je ne sais pas très bien où je vais. Je tâte. La grande idée que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose qui est sublime. Et je veux le toucher, mais je ne sais pas comment. Et on arrive à être inspiré par certaines choses qui se passent dans le monde, dans la vie, dans l'attitude de tous les jours, les quotidiens, pour s'inspirer. Parce que, en fait, nous sommes prisonniers dans un monde où tout est fait pour que tu puisses continuer toujours de la même manière, sans trop réfléchir, en fait. Et c'est ça notre grand souci, c'est que nous ne savons pas réfléchir, nous ne savons pas aller au-delà de la dictate habituelle, de la monotonie, de l'habitude, des train-trains. On aime bien rester là-dedans parce que c'est confortable. Ça ne dérange pas les conclusions qu'on a déjà acquises. Et là, il s'agit de déranger ce que tu as mis en place, de déranger tes conclusions, de bousculer toute la logique de comment la vie elle est faite et de voir au-delà de tout ça s'il y a quelque chose de neuf, quelque chose qui puisse se passer au-delà des sentiers battus, quoi. Parce que c'est là que ça se passe. Tout se passe là, au-delà de ces sentiers battus. C'est-à-dire en soi. Au-delà de la superficialité. Là, il y a une profondeur. Et c'est là-dedans qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher l'erreur. Parce que sans que l'erreur ne t'attaque et ne te bouscule, il faut pouvoir voir l'erreur, voir la fausseté de cette superficialité qui t'appelle à t'enrôler dans des choses qui plaisent, dans des choses qui réconfortent, dans des choses qui te donnent l'impression que tout va bien. Mais en fait, tout est en train de s'effondrer. La superficialité s'effondre. Il n'y a rien qui tient. Tout est éphémère. Donc il faut que tu ailles. Je dirais pas qu'il faut. Il est nécessaire pour toi. Si tu veux être toi-même, découvrir la splendeur de ce que tu es pour de vrai, il est nécessaire de t'investir là-dedans. Investir ton temps. Être diligent. Être attentif à tout ce mouvement qui se passe pour comprendre que toute la futilité qu'il y a dedans. Le mécanisme de la pensée que nous avons, elle réitère justement cette superficialité. La superficialité, c'est dans la pensée. La pensée, c'est la mémoire qui te ressasse ce que tu as déjà appris. Donc c'est constamment la même chose. La pensée te répète tout le temps comment tu dois être, ce que tu dois devenir, ce qu'il y aurait à être pour être acceptable. Donc tu te moules à ce que la pensée propose. Et la pensée, ça appartient au monde, ça appartient à nos aïeux qui nous ont refourgué des préceptes, des conditionnements, des schémas de comment la vie devrait être. Donc nous répétons tout ça. Et là, il s'agit de sortir de cette superficialité pour aller voir en profondeur s'il y a quelque chose de neuf, quelque chose qui n'a pas été souillé par le passé. Parce que tout ça, c'est le résultat du passé. Toutes les pensées que nous avons, tout ce que nous connaissons, c'est le résultat du passé. Tu l'as appris et maintenant tu le ressasses. Si bien que la monotonie se fait valoir, tu ressasses ton passé, tu ressasses tout ce que tu as vécu, tes expériences, tout ça tu ressasses.
Tu as vu quelque chose d'extraordinaire, tu le ressasses. Tu as. Il y en a qui disent que Dieu leur a parlé. Et en fait, ils ressassent aussi cela. Et en fait, tout ça, c'est des choses qu'on vit et qui est enregistrée. Et la pensée prend possession de ça. Et le refait vivre, en fait, dans les moments où l'état de condition dans laquelle tu es est monotone. Donc tu veux faire valoir un autre état, quelque chose qui soit plus agréable, plus féerique. Et donc tu cherches dans ton passé tout ce que tu peux ressasser pour pouvoir avoir un moment de répit face à la réalité de ce qui se joue. Parce que ce qui se joue est cru. Et peut-être ce qui se joue, la plupart d'entre nous ne voulons pas le voir. Parce que ça nous angoisse d'être face à quelque chose qui n'a pas de repère. Donc le neuf, c'est la profondeur, c'est pas la superficialité. Le neuf, c'est quand tu t'enfonces dans quelque chose qui est ignoré, c'est-à-dire l'inconnu. Mais tout ce que tu connais est pour toi quelque chose d'important, puisque tu t'accroches à ce que tu connais. Et là, on est en train de dire, oublie ce que tu connais et accepte de rencontrer quelque chose que tu ne connais pas. Et pour faire cette acceptation, il est nécessaire que tu effaces ce que tu sais pour pouvoir accueillir ce que tu ne sais pas. Donc il faut que tu sois libre de ce que tu connais. Et ce que tu connais, c'est quoi? Ce sont tes repères, ce sont tes pensées qui se répètent tout le temps, c'est la monotonie, les train-train. Donc s'extirper de ça, ça veut dire il y a une révolution qui se joue en soi, parce que tu es tellement insatisfait de la condition dans laquelle tu vis, ben, tu veux sortir de là. Et pour sortir de là, c'est pas par la volonté de celui qui veut, c'est juste par la grâce d'avoir compris que tout ça est faux. Tout ça n'a rien à voir avec la profondeur, avec la réalité. Et quand tu as vu le mensonge, quand tu as vu ce qui n'est pas vrai, eh bien, automatiquement, ça devient une grâce de juste sortir de là et découvrir ce qui est neuf. Et là, tu es émerveillé devant ce qui est inconnu, parce que tu découvres ce que tu es en fait. Découvrir l'inconnu, c'est découvrir ce que tu es. Parce que il n'y a rien qui a à découvrir à part soi-même. Tout se passe en soi. C'est là que tu vas avoir une perception plus élargie de ce que tu connais. Parce que ce que tu connais est limité avec la superficialité. Mais ce qu'il y a à connaître, c'est immense, c'est éternel, c'est grand. Et pour aller là-dedans, il faut que tu oublies tout ce que tu connais pour pouvoir explorer ce qui est neuf. Et la plupart d'entre nous, je dirais, sur la planète, on a peur de trouver que ce qu'on connaît est pas vrai, ce qu'on connaît est faux, ce qu'on connaît n'a aucune valeur, parce que ce sont des conclusions que tu as faites, et tu t'accroches à ces conclusions. Alors tu as l'impression de perdre ton identité, parce que ton identité, elle est liée à tes conclusions, ce que tu connais. Je suis un garçon, je suis une femme, je suis riche, je suis pauvre, je suis ceci, je suis cela. Tout ça, c'est la limite de ce que tu as appris. Et quand tu es limité à ça, tu ne sais pas autre chose qui se joue vraiment en toi. Et en toi, il y a quelque chose de bien plus profond. Et c'est cette profondeur, cette chose ignorée qui fait que tu as une perception beaucoup plus large de ce que la vie propose. Tu es face à un grand dilemme. Tu vois les choses au-delà de leur signification habituelle. Tu regardes les choses, tu ne vois plus l'Américain, tu ne vois plus ma femme, tu vois autre chose. Tu vois quelque chose que tu ne connaissais pas.
parce que cette chose, elle est vivante et que tu ne peux pas mettre en boîte pour dire que tu connais. Tu vois, c'est le problème, c'est que nous essayons de mettre tout en boîte et croire qu'on connaît. Et c'est ça qui nous rassure, c'est de savoir qu'on sait. Mais en fait, tu ne sais rien. Tu ignores le reste de l'humanité, le reste de ce qui est grand, de l'éternité. Et c'est tout ça qui fait que ce que tu es est merveilleux, parce que tu ne cesses jamais de percevoir quelque chose de neuf. La connaissance de soi, c'est quelque chose qui fait que tu découvres ce qui est indicible, ce qui est infini. Tout ce mouvement que tu comprends à chaque instant est neuf. Et ça te donne une perception beaucoup plus large pour voir ce qui est. Et ce qui est, c'est l'éternité. C'est la seule chose qui est. Le reste, c'est de l'illusion. Le reste, c'est... Parce que l'éternité, c'est un seul tout. Mais tout ce que tu peux appréhender, tout ce que tu peux conclure, eh bien, ça limite la perception que tu as. Donc la perception que tu as est constamment en effervescence, en expansion, pour pouvoir justement que cette intelligence qui habite cette expansion puisse se faire valoir. Et à ce moment-là, nous, les êtres humains, on a un champ d'action qui fait que ce que nous savons à ce moment-là, que la perception que nous avons, possède elle-même une action qui fait que les choses que nous avons mises en place sont bousculées. Tout est bousculé. À chaque instant que tu fais que ta perception s'élargit, ça bouscule tout le reste de ce que tu savais. Parce que ce que tu savais, ce sont justement le passé, tout ce que tu as appris. Et tu dois l'abandonner pour pouvoir étendre cette perception. Autrement, elle va être figée. La perception va être figée dans ce qui a été. Et ce qui a été va te faire montrer les choses de manière limitée. Parce que tu n'es pas allé au-delà d'une perception qui est infinie. Tu es resté stagné dans les habitudes et les train-trains qui ont été confortables. Et là, on parle d'une perception qui voit des choses que tu n'as jamais soupçonné que cela existait. C'est-à-dire, à ce moment-là, ta perception, tu peux voir que tu peux faire des choses extraordinaires. Tu peux déplacer des montagnes. Tu peux aimer le vil. Tu peux aimer de manière à ce que les choses puissent changer de comportement. Et parce que tous ces comportements sont stagnants, c'est juste le résultat de nos émotions qui nous dictent comment tu dois te comporter. Et ce comportement crée une conclusion en soi, et en fait tu t'habitues à ça, ça devient une zone de confort, et tu l'adoptes. Et en fait, ça fait ce que nous sommes aujourd'hui, nos sociétés, où tout le monde est en conflit parce que tout le monde est limité. Cette limite nous confine à un état d'être qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et ce que tu es, c'est une expansion de l'univers. Et tout ce qu'il y a à apprendre est là, devant toi. Mais il faut que tu abandonnes le passé, il faut que tu abandonnes toutes tes conclusions. Ça veut dire être neuf, être vivant, être face à une vivacité jubilante qui d'instant en instant, renaît. C'est jamais mort, c'est tout le temps vivant, vivant, vivant. Et c'est neuf, il n'y a rien de vieux dedans. La vie, c'est ça. Vivre, c'est ça. C'est que tu ne côtoies plus jamais ce qui est vieux, ce qui est passé. Tu laisses tomber le passé pour vivre.
Et vivre, ça veut dire mourir à ça, mourir à ce passé. Et si tu ne meurs pas à ce passé, comment veux-tu vivre? Comment veux-tu être jubilant de joie pour découvrir ce qui existe vraiment au-delà de tout ce que tu sais? Il te faut beaucoup d'énergie pour aller là. Mais tu dissipes ton énergie dans l'activité de l'habitude et des trains-trains. En fait, au bout d'un moment, tu es fatigué et tu ne sais plus comment faire pour avoir cette énergie, pour aller au-delà de tout ce que tu sais, de tous ces sentiers battus que tu as foulés toute ta vie, ces habitudes, ces trains-trains, ces répétitions qui ne cessent jamais de créer la monotonie chez toi. Il y a une liberté, et cette liberté, c'est à toi de la trouver. Il n'y a personne qui viendra te la donner. Tu sais, l'homme, il s'est emprisonné lui-même en s'isolant dans des concepts, des conclusions. Et c'est à lui-même de s'en libérer. Il n'y a personne qui viendra te libérer. Ce que tu es, c'est la liberté. Mais tu t'es enfoui dans quelque chose qui t'a rendu prisonnier. Et c'est à toi de voir cette prison. C'est à toi de voir combien ta condition est stagnante, morose. Et c'est au fond de toi, il y a une souffrance de ne pas être cette liberté. Donc tu souffres tout le temps et cette souffrance te permet de comprendre que tout ce que tu vis n'a aucun sens. Et donc, au bout d'un moment, tu t'aperçois que si tu abandonnes tout ce que tu tiens, c'est-à-dire tout ce connu que tu as gagné, tu l'abandonnes, eh bien, la souffrance se transforme en joie. Parce que tu découvres que tu es au-delà de tout ce que tu croyais. Parce que c'est une croyance que de croire que tu es limité. C'est une croyance. On dit « c'est impossible ». La plupart d'entre nous le dit. C'est impossible, je ne peux pas. C'est pas croyable la situation que je suis empêtré dedans et je ne peux rien faire. Je suis obligé. Ce sont des mots qu'on entend souvent. Mais en fait, c'est parce que tu te limites. Et cette limite, dans cette limite, tu dépenses ton énergie. Parce que tu essayes de créer une zone de confort dans cette limite que tu as. Mais au-delà de toute cette limite-là, il y a du neuf à explorer, à découvrir, sortir de ces carcans et aller au-delà de tout ce que le monde te propose. Parce que le monde te propose le passé. Le monde te propose ce que tu sais déjà. Le monde te propose ce que le passé propose et le passé s'alimente du présent et on le concocte un peu, ce passé, et on envoie ça dans l'espoir. C'est ça que tu vis. Tu vis ça, tu vis le passé que tu as emmené dans l'espoir. Mais en fait, tu ne vis pas ce qu'il y a. Ce qu'il y a n'a rien à voir avec le passé, avec la mémoire, avec tout ce que tu ressasses. C'est quelque chose de neuf. Et là, quand tu exprimes ce neuf, alors il y a une grande liberté. La liberté de l'homme se trouve là, dans ce neuf. Et il faut que tu trouves le moyen pour pouvoir voir qu'est-ce qui t'empêche d'être ce neuf. Parce que ce que tu es, c'est ça. Donc ce que tu es, puisque tu t'es identifié aux pensées, c'est limité. Mais ce que tu es en réalité n'est pas limité. Mais donc il faut que tu trouves le moyen de sortir des limites de ce que tu as créé pour toi, c'est-à-dire toutes ces conclusions que tu as. Cette petite vie rose dans une prison dorée que tu as fabriquée, il faut que tu vois ça, il faut que tu vois comment tu en es rendu là. Mais beaucoup de gens ne réalisent même pas qu'ils sont dans une prison dorée. Ils l'acceptent, ils sont bien là-dedans, dans cette prison. Ils mettent quelques images de liberté sur les murs et ils se disent ben, « finalement, je préfère rester là parce que je n'ai pas besoin de me tracasser pour quelque chose que je ne connais pas. » Donc, ils s'alimentent de choses du passé pour pouvoir se réconforter dans une prison dorée.
qu'ils ont fabriquées. Donc ils s'isolent les uns des autres. Et on n'a plus ce contact avec la grandiosité de la perception totale de tout ce qu'il y a dans la vie. On se limite à l'isolement de quelque chose qu'on a créé pour soi, pour pouvoir être dans le bien-être de ce que le monde propose. Ce que tu te proposes, c'est un bien-être pour ne pas voir la réalité. Parce que la réalité te fait peur. La réalité te dérange totalement. Fais de toi quelqu'un qui est nerveux. Parce que tu vois des choses que tu dois quitter ta zone de confort. Parce que cette zone de confort, en fait, n'existe pas. Et là, face à la réalité, tu dois quitter ce que tu as créé. Ce que tu as créé, c'est ça, ta petite zone de confort. Et dans cette petite zone de confort, il y a la stagnation de la perception. Tu ne vois pas au-delà de ça.